Laissez-moi vous dire deux choses importantes au nom du Seigneur Jésus. Il existe l'impie, celui qui connaît la parole de Dieu, mais n'obéit pas. Elle préfère faire de mauvaises choses. Il existe le juste, celui qui sème la justice. Il a plaisir. Qu'est-ce qui arrive aux deux? La Bible dit au Proverbe 11:18, « Le méchant se procure un gain trompeur. Ce que le diable lui donne ne vaut rien. Il ne va rien obtenir que cela. Et il se croit très fort. » Celui qui sème la justice a un salaire véritable. Le salaire est la récompense. Donc nous devons être des personnes qui sèment la justice, qui bénissent ceux qui sont opprimés et intercèdent pour ceux qui ont chuté. Voyez ce témoignage. Vous? J'ai fait une chirurgie ici. À la hanche? Oui, à la hanche. Et ma jambe n'a jamais été bien. J'ai toujours très mal, vraiment. Je dois toujours marcher avec des béquilles ou avec quelque chose. Et maintenant, que s'est-il passé? Je marche bien mieux. Bien mieux? Vous marchez qu'avec cette bête qui ou quelqu'un vous retenait? C'est vous qui l'accompagnez? C'est moi qui l'accompagne. Je m'occupe d'elle toute la journée. Elle sentait de fortes douleurs à la jambe et maintenant, marchez par là pour le missionnaire voir. Non, en premier, elle va montrer comment elle marchait. Montrez comment c'était. Et j'ai mis sans douleur. À présent, ce n'est plus douloureux? Non, ça ne l'est plus. Ma sœur, on va faire comme ceci. Je vais vous donner une punition. Tenez cette béquille ici. À présent, marchez en la portant. En marchant, je vais à Canaan. En marchant, je vais à Canaan. Marchant, je vais. On va prier à présent, Père. Je vais entrer en ta présence pour bénir tous ceux qui prient avec moi et qui ont besoin d'un soulagement, d'une guérison, de la solution de problèmes. Mon Dieu, au nom de Jésus, tu n'acceptes pas ce mal dans ces vies et je dis maintenant, mal, tu vas sortir, tu vas battre en retraite, obéis-moi maintenant, sors au nom de Jésus. Et vous dites, Amen.